Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune réservée bien évidemment au décryptage de l'actualité nationale par notre consultant politique Agapit Napoléon Mafoukan. Bonsoir. Bonsoir, Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. Le parti Les Démocrates s'est prononcé, bien évidemment, à travers une conférence de presse sur les récentes observations du ministère de l'Intérieur, suite donc au dépôt de dossier, bien évidemment, pour l'obtention du récépissé du parti. En tout cas, si je voudrais partager avec vous, Agapit Napoléon Mafouricain, par exemple, cette phrase de Nourrinho Achadé, qui est l'un des responsables de ce parti, il fallait trouver des poux sur la tête d'un chauve pour retarder l'obtention du récépissé. Agapit Napoléon Mafouricain. En tout cas, il y a bien de regards qui ont été portés par les responsables de ce parti suite aux observations du ministère de l'Intérieur. C'est ce qu'on disait hier. Vous savez, les manquements qui ont été notés par le ministère de l'Intérieur sont en principe constitutifs de délits ou d'infraction à la loi, normalement. Et s'ils avaient été poursuivis régulièrement, hein, normalement, ils n'auraient pas dû le dire. Et il faudrait qu'on la démarche citoyenne, il faudrait que la classe politique essaie de se comporter en exemple. Hein. Et lorsqu'on entend ces choses-là, un peu ces propos, c'est à se demander s'ils si ont pris la mesure quand même de l'exigence du respect de la loi et s'ils, au lieu de faire leur mea culpa, est-ce que la posture à avoir, c'est la posture de victime et de trouver que c'est les autres qui sont coupables. Donc je pense que ces propos ne sont pas suffisamment irresponsables. Il y en a qui ne sont pas à leur premier essai, mais je pense que c'est la République même qui le tolère, parce que bon, ces gens-là disent ces choses, ça ne donne lieu à rien ils le disent, disons, sans coup férir, ils le disent en tout cas impunément. Est-ce que c'est facile pour un pouvoir public de donner, par exemple, ou un pouvoir en place, de donner un récépissé à un parti qui se réclame de l'opposition radicale? Mais il n'y a pas de. Mais attendez, il y a une charte de l'opposition. C'est normal, l'opposition molle, l'opposition radicale, l'opposition Faucon, l'opposition Colomb. Opposition, c'est opposition. Donc chacun, tant que les lois de la République, tant que les règles du jeu sont respectées, chacun se positionne là où il veut. Donc le code des la charte des partis n'a pas défini un seuil. Le positionnement comme critère ou base. Donc de délivrance de De récépissé. respect. Donc, si les gens contrôlent très bien leur dossier, un à un, membre fondateur par membre fondateur, ils s'assurent que. Donc, alors, lorsque par exemple on dit que certains dont les noms figurent parmi les membres fondateurs ne se reconnaissent pas, figurent parmi les membres fondateurs, ne se reconnaissent pas avoir participé à un congrès, qu'est-ce qu'ils en disent par exemple? Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Il faut qu'ils opinent de ça. Lorsqu'on dit qu'il y en a qui n'ont pas démissionné de CBE et dont les noms ils sont. Bon, c'est vrai, par rapport à cela, ils ont dit qu'il n'en est rien, mais ils trouvent tout de même que, par exemple, un certain Haruna, a été, ils ont découvert que c'est un membre fictif, cela n'était pas dans leur dossier, mais curieusement, dans les observations faites par le ministère de l'Intérieur, pour eux, il se trouve qu'il y a un membre fictif dans leur dossier. De deux choses l'une, soit ils vont à la Cour, suprême, soit ils saisissent le juge administratif pour abus de pouvoir, ou De toute bien. façon, une voie de Hein, recours quand même. ouais, je pense qu'il y a des voies de recours sur ça, donc logiquement, ils peuvent estimer qu'ils ne se sentent pas concernés par ces trucs, et saisir le ministre, saisir la Cour, le juge administratif. En dénonçant le ministère en la matière, je pense que le code permet ça, la charte des partis le permet, et il faut que nous utilisions. On ne peut pas dire qu'on est dans un état de droit sans utiliser les moyens de droit que la loi nous offre. Il faut qu'on apprenne à utiliser ces moyens de droit pour faire valoir nos causes. Moi, je suis toujours surpris lorsque beaucoup de personnes, tout le monde attaque. Oui, finalement, on ne sait pas qui dit la vérité dans ce parce que personne ne veut perdre. Quand on a perdu, c'est le pouvoir qui m'a fait perdre.
Le pouvoir n'a jamais raison parce que c'est le pouvoir et on le soupçonne systématiquement. Très souvent, on voit mauvais. Tout ce qui vient du pouvoir, même des gens qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont jamais été à une élection, attaquent le pouvoir et on les écoute mieux que ceux qui ont été régulièrement élus. Ça pose un problème sérieux dans la cité de savoir. Alors, faut-il ne plus être élu et passer à attaquer le pouvoir, et donc ça va passer. Tous les jours, injurer le président de la République, injurer les membres, les ministres, injurer les préfets, et puis voilà, vous allez mieux écouter. C'est ça qui est quand même dommage. Parce que lorsque vous essayez de faire de la pédagogie, d'expliquer ce que vous avez quand même compris, on pense que vous êtes à récupérer, vous prenez votre part, vous mangez. Donc, il n'y a plus une notion, une exigence d'honnêteté dans la pratique politique dans notre pays. C'est ça, c'est un danger. Mais il semble que l'honnêteté est bien loin de l'univers politique. Non, l'honnêteté n'est pas loin de l'univers politique. Je pense qu'il y a une éthique politique. Il y a une éthique politique, même si faut pas jouer aux enfants de cœur à la matière. C'est un jeu, je vous l'ai dit. C'est une ruse, par ailleurs. C'est un jeu qui s'accommode des ruses. C'est vrai, de la ruse. Bon, c'est vrai que beaucoup n'aiment pas entendre la ruse. C'est un rapport de force, tout ça se joue. Mais dans le respect des lois. Je pense que lorsque le respect des lois va cesser d'être la cause commune, nous allons entrer dans un monde de la loi du talion. Où c'est œil pour œil ou temps pour. Donc on va rentrer dans un système d'anarchie où il n'y aura pas. Vous avez un pays comme la Somalie. Un pays comme la Somalie, aujourd'hui, peine à revivre comme un État. Parce que c'est vrai, à un moment donné, l'État a disparu. Parce que tout le monde se croit en mesure d'incarner l'État, tout le monde se croit en mesure de faire sa loi, et donc de petits groupes sont créés ici et là. Lorsqu'on va en arriver là, mais tout le monde perdra. Il faudrait que la haine de gagner, le désir de gouverner coûte que coûte, ne soit pas une obsession d'une certaine classe politique, au point de perdre de vue les leviers essentiels de la pratique démocratique. On ne peut pas. Il faut que les gens acceptent le jeu. Il faut qu'ils acceptent de perdre. Et apparemment, on est encore très loin. D'autant plus loin que même ceux qui devraient se protéger de science et devraient repréciser certaines choses pour qu'on sache quand même que dans le cadre de la délivrance de CPC, le ministre de n'est pas aussi fort que ça. Parce qu'il y a un juge suprême au-dessus de lui qui peut connaître. Donc, si votre dossier est aussi complet, mais envoyez, faites le recours. Faites un recours hiérarchique, comme ce qu'on appelle recours gracieux, ou bien recours hiérarchique. Et si vous n'êtes pas satisfait, allez chez le juge suprême. Ça permettra, par exemple, au moins à notre droit, d'avoir une vue claire sur cette situation, puisque le contentieux nourrit le droit, et ça permet donc de régler un certain nombre de problèmes pour l'avenir. Alors, mais si chacun, c'est dans la presse que les gens jouent leur contentieux, si c'est la presse qui devient les réseaux sociaux, les médias qui deviennent les lieux des recours, c'est pas normal, ça c'est pas bien. Est-ce que c'était ça pas... Ça crée une sorte de cacophonie. Est-ce que c'était pas déjà important pour le parti les démocrates de sortir, quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites dans la presse et sur les réseaux sociaux? Les responsables, est-ce que ce n'était pas important de sortir? C'est bien de les écouter, et jusqu'à présent, on peut dire qu'ils jouent le jeu. Globalement, ils jouent le jeu. Ils sont dans la démarche de formalisation. Encore faudrait-il qu'ils jouent le jeu à fond, qu'ils fassent le travail qu'on leur demande. Et on n'a pas besoin de les écouter tous les jours. Il y a des grands sujets sur lesquels on a envie de les écouter, non sur les jérémiades d'enfants gâtés. Non, ce n'est pas de ça qu'on en a besoin. On a besoin plutôt qu'ils opinent sur les questions sérieuses de la cité et qu'ils nous disent concrètement qu'est-ce qu'ils ont comme alternative. Si leur alternative, c'est d'injurier, c'est de mettre en doute les décisions politiques, c'est de créer le discrédit sur les institutions, je pense qu'ils vont affaiblir l'État avant même de vouloir le diriger. Tout à fait. En tout cas, dans cette veine, vous savez, quelques mots qu'on se lance au niveau de l'opposition, Nicéphore Dieudonné Soglo appelle à l'union sacrée des différentes composantes de l'opposition. Est-ce que cet appel sera entendu? Ils n'ont pas les mêmes objectifs, en dehors de... en griffe au bout des talons dehors, qui est toujours, enfin... Sinon, également restaurer la démocratie. Bouter dehors est une expression qu'ils utilisent depuis des décennies. Il suffit, c'est les noms qui changent. Donc, quand l'un vient, son nom entre dans le cercle bouter. Inch dehors, bouter, on huit dehors,
Bouteille Zinsou dehors, Bouteille Talon dehors. Bon, sinon, Bouteille reste quand même. Bouteille dehors reste. C'est le nom qui change. C'est un peu dans notre échiquier, l'échiquier politique national. C'est un exercice. C'est comme un sport quotidien. C'est comme une formule. C'est comme un jeu. Bouteille X dehors. Alors, restaurer la démocratie. C'est la même chose. Il y a ceux qui le disent, même ne savent pas ce qu'on appelle la démocratie. S'ils le savaient, ils seraient déjà qu'ils sont déjà dans la démocratie. Parce que s'ils n'étaient pas dans la démocratie, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font. On ne pourrait pas comprendre ça, ce que vous évoquez, parce que c'est des personnalités qui ont dirigé ce pays, c'est des personnalités qui ont servi, c'est des personnalités qui ont contribué à la construction de notre nation. Et quand vous dites qu'ils sont ignorants de ces choses, c'est que, bon, on a du mal à comprendre. Simon Pierre, il a renié Jésus 3 fois, après l'avoir dit. Pourtant, il avait été prévenu par son maître, il a dit que je ne le ferai jamais. Et pourtant, c'est quelqu'un. Donc, en le réuniant, vous pensez qu'il était, ignorant, qu'il ne savait pas qu'il commettait une faute? Vous ne savez pas qu'il avait été pourtant prévenu? C'est justement de l'intérieur que ça vient. Donc, dit que c'est chacun de eux, c'est justement ceux qui ont gouverné qui constitue justement le gros problème de la gouvernance. Parce qu'ils ne veulent pas laisser. Quand ils sont partis, c'est quand c'est sans eux, ça ne peut pas marcher. C'est après moi le déluge. C'est cette manière africanistique, ou bien, je ne veux pas utiliser une expression qui peut peut-être prêter à polémique, cette manière de fonctionner qui n'est pas zen. C'est pas sain, c'est pas fair. Et ça doit pouvoir. Il faut que les gens prennent des gentlemen au niveau politique. Il faut que les gens apprennent à comprendre d'abord et à se comporter en exemple. Ils ne peuvent pas dire qu'il faut restaurer la démocratie. Tout, nous fonctionnons dans un chemin. Qui est empêché de rouler, de circuler dans le territoire national? Les gens jouent le chef de l'État tout le temps. Les gens disent ce qu'ils veulent. Ils se promènent dans le pays. Ils font des séances. Ils organisent des rencontres. Ils interviennent dans les médias. Mais c'est quoi? Ils veulent quoi en plus? Ils veulent justement qu'il n'y ait pas d'autorité. Ils veulent que leur désir soit loi. Mais ce n'est pas ça l'état de droit. Ce n'est pas ça la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent en termes de démocratie? C'est pour ça qu'il faut les confronter, comme dit, il faut les amener au débat. Alors, quand vous voulez qu'ils viennent, ils ne viennent pas. Ils préfèrent aller faire des monologues. Ils sont dans des monologues continus. Ils vont seuls, ils parlent seuls, ils se promènent, ils utilisent les réseaux sociaux. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Le dialogue, c'est tout le temps. Le débat, c'est tout le temps. Il n'y a pas le temps de débat. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on fait débat. Ce n'est pas la veille des élections. Il y a le débat présidentiel, d'accord. Mais les questions de vie, les questions de société, les questions communautaires, les sujets sociétaux, il y en a plein. Donc, on ne peut pas attendre la veille des élections pour opiner. Même les lois. Quand on dit que telle loi est mauvaise, quelle est l'alternative? Quelles sont les propositions de l'opposition? Donc, quand on parle de l'union sacrée, c'est une union destructrice. C'est une union antipatriotique. Parce que cette union n'est mue que par le souci d'empêcher quelqu'un d'aboutir à ses objectifs, d'atteindre ses objectifs. Donc, ce n'est pas une union portée sur la vertu, c'est une union portée sur la rancœur, sur la haine. Hein? Donc, c'est pas bien, ça ne fait pas sain et ça n'honore pas ce qui s'y adonne. Très bien. Agapit Napoléon Mafoury, quand on en parlait par ici, on se demandait que se passait-il à Gaouéré. Aujourd'hui, c'est connu, le nouveau maire n'est pas Karamat Fagbohun, c'est bien Karamat Fagbohun a donc un successeur. Il s'agit de Cyril Adegbola. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Union progressiste a retrouvé ce fauteuil. Donc après 3 mois pour le bloc républicain, et donc Cyril Adegbola s'en est sorti avec 17 voix pour et puis 7 contre. Une désolation? Non. Non, on vous a dit l'UPA a retrouvé, non, pas retrouvé, il ne l'avait pas perdu. Ah oui, l'UPA... Il n'avait pas perdu, donc l'UPA a conquis. Non, pourquoi une désolation? Ça montre simplement que ceux qui disent que c'est des partis si à moi, ils se rendent maintenant compte que ce n'est pas des partis si à moi, et que c'est des partis qui ont leur réalité, et qui vivent leur réalité, et qui se comportent sur le terrain comme des partis véritablement
en quête de pouvoir, en quête de conquête et d'exercice du pouvoir. Sinon, la logique aurait voulu de maintenir Mme Karamat Fagbon là. Elle a déjà commencé, elle a de la majorité présidentielle, elle est du BR, son papa n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité énorme à Djawéré qui a été très énorme. Est-ce que l'empreinte Fagbon n'a pas, pas joué en défaveur? Non, pas vraiment. Je pense qu'elle a dû manquer de leadership. Je vous dis toujours, je vous ai dit au début, quand ces maires avaient été installés dans la forme de la nouvelle configuration où pratiquement on peut donner l'expression, ils ont été désignés après l'élection. Donc, désigner les maires n'était pas la formule normale. Donc, il fallait laisser le contentieux se faire et on aurait dû voir. Le fait que les députés se soient retournés, ils avaient le pouvoir de le faire, ils l'ont fait. Mais ça, la situation, c'est que certains ont l'impression qu'on leur a imposé les maires. Et donc, lorsque la situation a changé, les gens ne se font pas de cadeaux. Ensuite, je vous l'ai dit, dès que ces maires sont arrivés, dans ces conditions-là, il fallait qu'ils, maintenant, déploient leur propre leadership. Ils devraient aller vers les autres. On se rend compte que Mme Fagbon n'a même pas pu rassembler autour d'elle la majorité. C'est-à-dire qu'elle a fait son propre camp. Elle n'a pas fait le plein dans son propre camp. Il se fait que M. Adibola a eu déjà, sur les 12, a pu y avoir déjà 5. Donc, 5 alors qu'il n'y a pas eu l'accord de gouvernement, peut-être qu'il y en a eu au dernier moment. Parce que, bon, il y a un certain partage. Oui, il y a l'accord de gouvernement. Donc, sans doute qu'il y a eu, je ne sais pas encore. Certainement, cela suit des défections, certainement. Peut-être. Non. S'il y a l'accord de gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de défection. S'il y a l'accord, ça veut dire que, bon, les autres, on votait contre. Mais la majorité, autrement, on peut dire qu'il y a eu une sorte de débauchage au niveau de l'UP. Mais l'un dans l'autre, ça veut dire que c'est vrai que Mme Fagbon, carrément, n'a pas pu. Et rassembler autour d'elle déjà ces 12, ces 11 autres camarades conseillers avant d'aller à la conquête des autres. Et ça, le résultat qui est là doit interpeller les maires de nos. Parce qu'après à Djawéré, on peut retrouver une autre commune. Bien sûr, doit interpeller les maires de nos communes parce que je suis convaincu que 3 mois après la gestion, si c'était ouvert aux autres membres, s'ils ont rassuré les autres, que s'ils se sont comportés en chef d'orchestre et non en dirigeant, je pense qu'ils mériteraient de se maintenir. Et c'est vrai que vous aviez invité donc les maires à pouvoir véritablement aller à la conquête de la légitimité. Absolument, ils devraient aller conquérir leur légitimité parce que, de fait, ils ont été élus conseillers. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais après, qu'on les impose quand même presque parce que leur parti, c'est une trouvaille, c'est d'accord, mais ça ne sort pas. Parce qu'il y a des adversités internes qui n'ont pas pu être... Donc, ils allaient créer la symbiose à l'interne, gérer d'abord l'interne avant l'externe. Je dis, si elle a perdu, si Fabandon Fabon a perdu, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas pu simplement faire la mixtion à l'interne. Si la mixtion avait été réglée à l'interne, je pense que en face de 12, on aurait dû faire regarder au niveau de Parakou. Malgré tout ce qui s'est passé, le BR s'est maintenu. Le BR s'est maintenu. Hein, heureusement, bon. Mais c'est vrai, le BR a changé de candidat. Mais le maire est devenu 1er juin, tout simplement, sans doute parce que, bon, peut-être qu'il y a eu une volonté de changement. Ou peut-être qu'il ne faudrait pas donner du fait qu'on continue avec. Mais il est quand même là. Bon, là, on sent que là-bas, le parti BR s'est maintenu. L'FCBE, ils ont volé un éclat. Parce que leur chamaillement interne a joué sur la suite. C'est un peu ça. Je pense que les partis doivent travailler, et surtout ceux qui les incarnent aujourd'hui, au niveau dans la direction des assemblées communales ou municipales, ils doivent travailler sur la légitimité. Nos partis, ils ne peuvent pas se comporter encore comme les partis régaliens des partis qui s'intègrent, partis entreprises, des personnes un peu comportées comme avant, ayant des appuyants sur rue, avant de tout gagner, comme s'ils avaient un mérite particulier. Non, c'est le mérite des autres, c'est la somme de mérite de tous qui ont porté, c'est cette somme-là qui a permis à ceux qui dirigent aujourd'hui d'être là, dans les communes. Mais donc, ce serait quand même plus élégant de faire l'effort d'aller vers les autres pour les rassurer. Ce serait quand même plus élégant au niveau de l'Union progressiste de remplacer Karamat Fagbon par une femme aussi, franchement, parce que là, sur le total... Est-ce qu'il y en avait deux au niveau de la commune? Je ne sais pas. Est-ce que le conseil communal de Djawéré a deux femmes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Très bien. Donc, s'il y en avait,
L'élégance aurait quand même voulu. Enfin, je sais, je connais votre opinion non, sur cette non, question. Je ne suis pas féru de la course féminine. Non, parce bon, ça. Que, hein, ça se fait au mérite. Il y a déjà la discrimination positive créée par la loi. Après, il faut que chacun se batte pour conquérir sa place. Très bien. On va finir, Agapit Napoléon Afourikan, par cette, ou du moins ce toilettage qu'on pourrait observer au niveau donc, des décrets qui organise un peu les syndicats au Bénin. Le Conseil des ministres a d'ailleurs entériné donc ces travaux du comité préparatoire pouvant penser donc qui devrait penser bien évidemment à la reprise des élections professionnelles au niveau des organisations syndicales. Le taux de représentativité passe de 30 à 20% pour les syndicats de base et bien évidemment pour les centrales et confédérations c'est 15 à 20% et bien évidemment un accompagnement financier. Également d'autres choses comme la durée du mandat qui passe de 4 ans à 5 ans. Donc on pourrait dire une restructuration de nos organisations syndicales. De poussiérage. Carrément. Enfin c'est bien, moi je trouve que c'est bon, il faudra que ça prenne du neuf, un peu de neuf, que ça se restructure un peu, que ça se rajeunisse, pourquoi pas. Bon. C'est bon, enfin, ça va peut-être donner un peu plus de l'animation à la vie syndicale et une sorte de professionnalisation. Parce que bon, on a connu tellement de syndicats, d'amateurisme, un certain nombre de situations, quand même pas des syndicats entreprises, des syndicats, et tout en poche, tout en claque, ils se comportent un peu comme des négociants plutôt que comme les défenseurs de la cause des travailleurs. Je pense que depuis quelques années, ça a commencé par... Il y a une nouvelle élite syndicale qui se met en place et je pense que les réformes actuelles vont aider à sinon, cette... on avait cru avec un certain nombre de réformes, on avait cru que c'était la mort presque des syndicats au Bénin. Non, c'est pas la mort, j'ai toujours dit ça, c'est pas la mort. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait? On a mis fin. La grève n'est pas la seule... Le seul arme de revendication syndicale. Et heureusement, on a écouté des chefs de centrales syndicales, et pas des moindres, qui l'ont confirmé, que des amis ont abusé de la grève, ont abusé de cette arme fatale. Il y en a tellement abusé qu'ils l'ont galvaudé. Donc, non, le syndicalisme est encore là. Le syndicalisme ne peut pas disparaître. Le syndicalisme est une forme d'expression de travailleurs, et ils ne peuvent pas disparaître. On doit travailler pour que le syndicalisme ne disparaisse pas. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Afourikan. Merci donc pour cette disponibilité, chers amis téléspectateurs. Merci donc de nous avoir suivis. C'est la fin de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce jeudi 24 septembre 2020. Après nous, vous suivrez bien évidemment vos programmes, à commencer bien évidemment par Les Filles de la Mafia. Et puis après, vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec Stanislas Benoupoamoa. Il s'agit de Raconte ta journée à partir de 23h. Vous avez droit bien évidemment à cette opportunité de nous suivre sur nos canaux digitaux, à savoir le www.etelebénin.com, sans oublier notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Il s'agit de ETelebénin tout simplement. Et puis, vous n'oubliez pas de télécharger, si vous ne l'avez pas encore, notre application ETelebénin pour pouvoir nous suivre un peu partout, tout simplement. Agréable suite des programmes sur nos antennes.